Ça faisait 4 ans que j'étais pas venu et j'étais un petit peu inquiet de la situation de l'aïkido en France, et pas seulement moi, mais Doshu aussi était inquiet. Et voir que on a pu pratiquer sans masque d'une part, et que autant de monde a été présent, ça m'a largement rassuré. D'une part, l'aïkido est une pratique qui se fait toujours avec un enseignant. Il y a toujours un maître de cérémonie. Et donc son problème, c'est de savoir jusqu'à quel point ce que l'enseignant essaye de communiquer est compris, est intelligible. Au Japon, c'est un peu plus facile pour lui parce qu'évidemment, la langue est commune. Et il est toujours un peu plus inquiet à l'étranger de savoir si ce qu'il essaye de communiquer est compris. Et c'est toujours son souci, et ce qu'il essaie de développer dans les séminaires. La dernière fois que Miyamoto est venu, c'était en 2018. Après, il était pour un vieil. Normalement, il vient une fois tous les deux ans. Là, donc, on ne l'a pas vu depuis 2018, depuis le Covid. Et ça fait plaisir quand même qu'il soit revenu. Et en plus, il y a beaucoup de monde. Quoi. Après Covid, je crois qu'il y a plus de 160 personnes. Et puis, bon, c'est toujours intéressant de voir Miyamoto. Bon, pour moi, l'avoir connu quand il était au Shideshi et le voir maintenant, la sagesse qu'il a pris, il a fait une démarche parce que. La première fois que j'ai vu en 81, il était assez, vraiment très très précieux en aïkido. Et le voir maintenant, il se bonifie super bien. Quoi. C'est vraiment le japonais, il a tout compris. Quoi. Il a compris vraiment l'aïkido, il a compris ce qu'il y a en fin de parcours, que la sagesse l'emporte sur la dynamique. Je suis très très content, et bien sûr ça me fait bouger dans les sens dont je n'ai pas tout à fait l'habitude. Et voilà, travailler des gestes techniques pareils dont je n'ai pas tout à fait l'habitude. Donc c'est beaucoup de fraîcheur, je suis très content. Contrairement à Fabrice, je l'ai suivi un peu à Barcelone, il est passé au dojo à la Roseraie, donc c'est un moment qu'on est avec lui. Donc c'est vrai que ce premier aspect de son travail qui paraît parfois un peu déroutant parce que demande beaucoup d'engagement de la part de Hockey, au fur et à mesure, en fait, on se rend compte que c'est toujours les mêmes bases qu'on recherche, c'est-à-dire le contact, la connexion. Et puis, on sort de là avec un sentiment de pétrissage du corps, en fait, beaucoup. Voilà, beaucoup de joie dans la pratique. Et après, ce qui est toujours très, très sympathique, je trouve, dans ces séminaires de Miyamoto Sensei, c'est qu'il arrive vraiment à brasser un grand nombre de personnes de différentes origines, de différents styles ou influences. Et tout ça, ça arrive à travailler ensemble dans un très bon esprit. Il n'y a jamais de traumatisme, il n'y a jamais de frustration parce que on n'a pas assez donné. Enfin, c'est vraiment très complet, quoi. Ouais, sympa. La première fois que je l'ai vu, c'est une pratique qui changeait beaucoup de ce que je faisais d'habitude, notamment tous les pontages et puis le travail avec le partenaire et avec beaucoup de centre à centre. Il y a une vraie maîtrise chez lui du rapport du centre de l'un vers de Hooké vers Tori et de Tori vers Hooké. Et on le voit là aujourd'hui, on a fait beaucoup de Tayatari. Toute la base des mouvements proposés sur l'après-midi notamment, c'était des départs de Tayatari, même sur le Ikkyo Omote. Pour moi, c'est une vraie richesse d'avoir rencontré ce sensei parce que il y a une grande humilité chez lui. Il est accessible et puis il fait travailler le corps de façon vraiment importante.